Yo les gens, salut à tous, et salam alaikum à tous mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinity Warfare, en mode, je dis pas de bêtises, MME, ou la Domination. On va voir ça dans quelques instants, bon, de toute façon c'est un des deux, d'accord. Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, MME. Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, être enfin de proposer ce petit jeu de gameplay. Je suis très content, je suis vraiment très heureux, franchement je suis très satisfait de moi ces derniers temps. Je propose pas mal de gameplay sur Infinity Warfare. Je l'espère pour vous, je l'espère pour beaucoup de gens qui soient youtubeurs ou non youtubeurs. J'espère que cette année de Call of Duty sera une année pour vous. Je sais que certains, vous n'êtes pas très friands de cette catégorie des Infinity Warfare, mais ce qui va rattraper le tout, c'est justement quoi? C'est ce Call of Duty 4 qui va vraiment rattraper le tout et qui va faire du bien un peu à cette licence Call of Duty. D'accord? En parlant de Call of Duty, je vous ferai une petite vidéo spéciale par rapport à ça parce que je dois vraiment vous faire passer une information par rapport à Call of Duty, mais ça on en reviendra le moment venu. Aujourd'hui, les frères, j'ai décidé justement de prendre la parole par rapport à maintenant on va aborder le sujet. C'est quelque chose que vous attendiez tous de ma part, c'est une question que vous m'avez tous posée sur Twitter, je n'ai jamais répondu. J'ai mis du temps à répondre, si j'ai mis du temps à répondre, c'est pas pour rien. Mais maintenant, vous aurez la réponse. Avant d'entamer la réponse, faut savoir, c'est que chaque année, je suis à la Paris Game Week. Chaque année, tous les ans, au stand Call of Duty, je vois les abonnés, autographes, photos, dédicaces, etc. Chaque année, je suis au rendez-vous là-bas. Mais cette année, cette Paris Game Week ne sera pas pour moi. Ça sera sans moi, malheureusement. J'aurais bien voulu aller, mais... Je suis interdit de Paris Game Week cette année. Je sais pourquoi TK, ça reste strictement confidentiel, ça regarde personne, c'est entre moi et la Paris Game Week. Il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas et malheureusement on peut pas dire. D'accord? Comprenez le pourquoi. Comprenez pourquoi j'ai mis du temps à en parler parce que je voulais pas que ça fasse une polémique, etc. En sachant que maintenant la Paris Game Week, c'est demain, voilà, je me suis pris au dernier moment. Et puis voilà, mais ne soyez pas déçus, le frère, vraiment, ne soyez pas déçus. Allez rencontrer vos youtubeurs, allez rencontrer les gens que vous appréciez, vos amis, vos copines, etc. Passez du temps, parce que c'est des choses qui sont vraiment très très rares. Testez un maximum de jeux, profitez de cette journée, il y a vraiment plein de stands, il n'y a pas que Call of Duty. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment que du bon pendant ces jours de Paris Game Week. Et puis profitez un masse parce que vous êtes en période de vacances scolaires. Et c'est à des moments comme ça qu'il faut profiter. Moi, de mon côté, je penserai à vous. Je penserai à vous, je serai dans mon coin, je ferai des vidéos. Je vous attendrai le soir, enfin, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que la Paris Game Week, je peux vous garantir que c'est quelque chose qui fatigue. Mais voilà, je penserai à vous et j'attendrai que vous soyez là le soir pour regarder mes petites vidéos. Et puis voilà. J'espère sincèrement que vous allez bien le prendre. Et puis voilà. Je tiens aussi à passer un message à Marabout. À Napoléon. Malheureusement, Ray, je pourrais pas venir. Il va falloir que tu fasses cette Paris Game Week sans moi, Ray. Et puis, profite aussi de tes abonnés. Profite d'eux. Enfin, reste avec eux. Parle-leur. Et c'est des instants rares, mon Ray. Moi, je sais de quoi je parle parce que moi, j'y vais chaque année là-bas. Et puis, voilà. Je te souhaite vraiment que le meilleur. Donne-toi à fond. Refuse personne. Et puis, voilà. Sinon, moi de mon côté, je voulais aussi vous dire une dernière chose avant de quitter la vidéo. Je voulais tout simplement vous dire que c'était un troll. Non, mais bien sûr que oui, j'y serai. J'y serai à la Paris Game Week. Je joue bien le comédien ou pas? Je serai à la Paris Game Week pendant 2 jours. Donc, que je vous dise pas de bêtises, je serai là-bas du vendredi au samedi. Donc, ça sera le 28 et le 29 octobre, je serai là-bas. Je serai dans 3 stands, je serai dans le stand Call of Duty, je serai dans le stand Capcom et je serai dans le stand que je dise pas de bêtises, de Pixel Shirt. Donc j'aurai 3 stands pour moi et donc de toute façon je vous tiendrai au courant de où je suis, à quel âge, etc. Et puis voilà, ça me permettra moi de mon côté de discuter avec vous, passer du temps avec vous. C'est vrai que j'organise rarement des rencontres abonnées mais vous allez pouvoir me voir en vrai. Et sympathiser, taper la discute tranquillement et puis voir. J'essaierai aussi de vous offrir des petites choses, des petits bracelets VIP de Call of Duty pour que vous puissiez justement profiter des places VIP. Pour que vous puissiez rentrer justement sans faire la queue. Et puis voir. Ne me posez pas la question pourquoi je serai chez Capcom parce qu'on m'a tout simplement fait la proposition. Et je vais pouvoir tester Resident Evil 7. Je suis un fan aussi de Resident Evil parce que mon premier Resident Evil ça a été Resident Evil 1 sur PS1
Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester Resident Evil à la Paris Game Week. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Resident Evil sera pas sur ma chaîne YouTube, mais c'était par simple curiosité, voir un peu comment est le jeu, etc. Et puis voilà. En tout cas, cette Paris Game Week sera deux bons jours où je vais pouvoir bien me ressourcer aussi, en sachant que même à l'heure actuelle, même si je suis bien ressourcé, mais ça va être deux jours où, intenses où je vais pouvoir me nourrir de vos regards, de vos encouragements et de tout ça, quoi. C'est vraiment très important pour moi et je pense que c'est important pour chaque YouTuber. Je tenais aussi à vous dire que je serai aussi avec Marabout, Napoléon, qui m'accompagnera justement au stand dédicace chez Call of Duty, enfin dans le stand Activision. Et justement, bah, on sera là-bas tous les deux. Et puis voilà, on vous fixera les heures. Vous inquiétez pas, surveillez bien vos Twitter. On sera tout simplement là-bas et vous accueillera vraiment les bras ouverts. Avant de finir cette vidéo-là, je voulais vous dire quelque chose. Maintenant, je vous parle vraiment sérieux parce que là, malgré que le jeu soit critiqué sur Call of Duty, je vous en propose quand même pas mal. Je sais pas si vous l'avez remarqué ou ressenti. Mais croyez-moi que. Si déjà je propose beaucoup de Call of Duty sur Infinity Warfare, imaginez sur Call of Duty 4, qu'est-ce que ça va être? Ça va être vraiment une dinguerie. Et cette année de Call of Duty 4, je l'ai toujours dit, et je pense maintenant c'est plus une surprise pour vous, Call of Duty 4 c'est mon jeu préféré, ça a été mon numéro 1. Aujourd'hui si je suis justement sur YouTube, c'est bien c'est grâce à ce jeu. Et jamais j'aurais pu vous connaître s'il n'y aurait pas Call of Duty. Et donc en sachant que Call of Duty 4 qui va venir, croyez-moi que là ça va vraiment péter dans tous les sens. Bon écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et puis profitez bien de ces journées à la Paris Game Week. On se rencontrera, on se croisera, on se dira bonjour. Et si vous avez des choses à me dire à la Paris Game Week, tout sera bon à prendre et à entendre. Tout simplement. Je vous souhaite tout simplement une excellente journée. Profitez bien. N'oubliez pas le 28 et le 29. Et les horaires, je vous en ferai parler au moment venu. Mais quoi qu'il en soit, sachez que le 28 ou le 29, 28-29, je serai à la Paris Game Week. Le 30, le 31, je ne serai pas là-bas. Je serai occupé, malheureusement. Donc, quoi. Ouais. Sur ce, les frères, moi, je vais sur cette fin. Yarbiankom, Tarafaraskom. Et prenez soin de vous. Ciao, bye bye. À rebours de 10 secondes.